commencer ma petite journée et me réveiller. Moi j'ai pris un café, un arabica, noir et bien corsé. J'enfile ma parka, ça y est, je peux y aller. Où est-ce que tu vas, me crie mon aimé. Prenons un kawa, je viens de me lever. Étant en avance et un peu forcé, je change de sens et reprends un café. À 8h moins le quart, faut bien avouer, les bureaux sont vides, on pourrait s'ennuyer. Mais je reste calme, je sais m'adapter. Le temps qu'ils arrivent, j'ai le temps pour un café. La journée s'emballe, tout le monde peut bosser, au moins jusqu'à l'heure de la pause café. Ma secrétaire entre, fort comme vous l'aimez. Ah mince, je viens d'en prendre, mais maintenant qu'il est fait, un repas d'affaires, tout près du sentier. Il fait un temps superbe, mais je me sens stressé. Mes collègues se marrent, détends-toi René. Prends un bon cigare et un petit café. Une fois fini, mes collègues crevés appellent un taxi, mais moi j'ai envie de sauter. Je fais tout Paris, je rentre dans un troquet, je commande un déca, mais en caféiné. J'arrive au bureau, ma secrétaire me fait, vous êtes un peu en retard, je me suis inquiété. Alors je le jette par la fenêtre, elle avait bien cherché. De toute façon, faut que je rentre, mais avant, un petit café. En attendant le métro, je me fais agresser. Une petite vieille qui me dit, vous avez l'heure s'il vous plaît. Alors je lui casse la tête, et je la pousse sur le quai. J'arrive dans ma cuisine et je me sers un devinec. Papa mon papa, en classe je suis premier. Putain mais quoi, tu vas arrêter de me faire chier. Quel con ce gosse, en plus il se met à chialer. Je m'enferme dans ma cuisine, il me reste un peu de café. Ça fait 14 jours que je suis enfermé, tout seul dans ma cuisine, et je bois du café. Il faudra bien que je dorme, les flics vont me choper. Alors je cloue ma porte, et je bois du café.